Comme deuxième danse, je veux faire une danse facile, mais c'est une valse. Ça n'a pas un nom très évocateur, ça s'appelle valse LDIB3. Par contre, je n'ai jamais fait une valse avec ces pas-là. Ce sont des pas que je n'avais pas vus encore. Madame Harry Marwan, la chorégraphe de cette valse-là, a fait faire cette danse-là par de jeunes enfants où l'on voyait qu'ils avaient à cœur de bien réussir la valse ou la danse. Donc, c'était de toute beauté et je vais vous envoyer un lien vers cette vidéo lorsque je vais faire mon propre vidéo. Donc, voici donc cette valse-là avec la musique. Et par après, je vais l'expliquer pour les pas. Voici la valse LDIB 3 avec sa musique. Voici la valse LDIB3 avec son compte. Alors, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on repart. 1. Alors donc, c'est un 4 murs qui tourne anti-horaire. Sans tag ni restart.